è stato non solo testimone della prima e della seconda guerra mondiale, ma anche un grande protagonista, come ascolterete dalle sue parole. Una persona che ama molto raccontare le sue esperienze, e in particolare raccontarle ai giovani perché servano di insegnamento per la loro vita. J'avais en principe rien à faire avec l'Italie. Alors pourquoi j'accepte à 106 ans, parce que j'ai 106 ans, pourquoi j'accepte de venir, d'être devant vous et de parler? Parce que j'ai une dette de reconnaissance personnelle envers l'armée italienne. Parce que l'armée italienne s'est révoltée. S'est révolté contre Hitler. On leur a dit, il faut naturellement, on a dit, Hitler a dit à Mussolini, je te somme 6 départements, mais enfin, tu vas appliquer dans ces 6 départements la politique que moi, Hitler, je mène dans toute la France. Alors il y a eu donc un accord entre Mussolini et Hitler. Et l'armée italienne est venue en France et parmi les départements, il y avait ce département de la Haute-Savoie, excusez-moi, qui est la frontière avec la Suisse. Or, pendant la guerre, la Suisse et l'Espagne étaient les seuls pays d'Europe où un juif pouvait se réfugier, où il était en sécurité. Alors voilà, vous, Italiens, armée italienne, qui êtes à la frontière suisse, et vous laissez rentrer tous les juifs qui viennent de toute la France vers la frontière italienne pour se sauver de la mise à mort parce que Hitler a décidé d'exterminer les 6 millions de juifs d'Europe. Et alors, les juifs étaient affolés, n'importe qui est affolé quand on le menace de mort, et ils ont su qu'il y a deux pays où on peut être protégé, mais l'Espagne est très loin. Il y a 9 heures de train qui était contrôlé par l'armée allemande. La Suisse est au milieu et à proximité de la France. C'était donc à la Suisse que tous les Français qui pouvaient échapper à l'arrestation se sont tournés pour être en sécurité. Alors, il y avait l'armée italienne qui était à la frontière suisse, à une petite ville qui s'appelle Annemasse. Il y avait un capitaine qui était là et il avait ses soldats qui gardaient la Haute-Savoie qui était administrée par l'Italie. Et ce monsieur, dont je ne me rappelle pas le nom, ce monsieur capitaine italien, je suis arrivé à Annemasse avec la mission d'organiser le sauvetage des enfants juifs de France pour les passer en Suisse. Je viens à Annemasse, la première chose que je fais, c'est d'aller voir le maire d'Annemasse. Le maire d'Annemasse avait un joli magasin de vêtements à Annemasse. Je l'ai rencontré à son magasin. Et quand je suis rentré, les dames vendeuses sont venues vers moi. Et je suis toujours bien habillé. Elles ont vu que j'étais bien habillé. Alors elles se sont dit, c'est un client. Alors je leur ai dit, non, je vais voir monsieur le maire. Monsieur le maire est venu et
Je lui dis, monsieur le maire, je dois vous voir personnellement, pour une affaire que vous seul. Il a dit, frontière. Je lui dis, oui. Demain matin à 9h à la mairie. J'étais le lendemain à 9h à la mairie, il m'attendait. Et je lui dis, je suis un des chefs de la résistance française. Il y a deux résistances qui me concernaient. D'abord la résistance juive, parce que nous, juifs de France, nous ne nous sommes pas laissés faire. On a créé une véritable résistance militaire et j'étais un des chefs de cette résistance. J'étais d'ailleurs un soldat qui a été fait prisonnier par l'armée allemande pendant l'agression de l'Allemagne vers la France. Et j'ai été amené avec mon régiment en Allemagne dans un stalag, on appelait ça un stalag, où étaient gardés prisonniers l'armée ou les soldats. Je tombe sur le maire, qui, je lui dis que je viens pour passer les enfants en Suisse. Alors il me dit, vous avez beaucoup de chance parce que nous avons à Annemasse un officier de police et de l'armée italienne qui s'occupe d'interdire de venir à la frontière et de passer en Suisse. Or, cet officier italien n'est pas d'accord avec ça. C'est un cas extraordinaire, un officier qui désobéit aux ordres de Mussolini. Il a laissé passer tous les juifs qui sont venus à la frontière, il les a laissés passer en Suisse, dont ma femme et ce garçon. Ce garçon, quand la chose est devenue très difficile en France, ma femme m'a dit, nous ne pouvons plus rester en France. Tu vois, ma femme s'occupait d'enfants malades, etc. Je ne peux plus m'occuper de ça. Je veux que tu nous amènes, je te demande de nous amener en Suisse. Moi et mon fils Dani et un petit garçon qui venait de naître. Donc, je suis devant un officier italien à qui je dis, j'ai ma femme et mes enfants à passer. Il me dit, c'est d'accord, tu peux les faire venir. Mais il faut faire vite parce que l'armée israélienne ne peut pas rester. L'armée se révolte contre Mussolini. L'armée va se retirer de la frontière. Et il faut faire très vite, il faut que tu sois là très rapidement. Je vais donc vite, ma femme était à 600 km de ça. Je vais la chercher, je lui dis il faut venir vite parce que j'ai une chance de vous faire passer, mais ma femme, je la trouve malade. Elle était malade d'angoisse, elle ne pouvait pas partir. Elle était malade pendant 15 jours jusqu'à ce qu'elle aille mieux et qu'elle vienne avec ce garçon qui avait 6 ans à ce moment-là, de venir chez moi à Annemasse pour les passer. Or, quand elle arrive, l'armée italienne était partie. Il y a eu cette affaire contre Mussolini, l'armée italienne s'est retirée, le chef qui m'avait proposé d'aller avec moi et de m'emmener n'était plus là, et j'étais à la frontière qui était protégé par les qui étaient dans la main des Allemands. C'était une frontière allemande. Ce n'était plus une frontière italienne. C'était l'horreur. Donc, je suis à la frontière avec ma femme et les enfants, et il y a à la frontière, il n'y a plus les amis italiens, mais il y a l'armée allemande. Ça change tout. Mes amis à la frontière qui voulaient m'aider à passer ma femme et les enfants nous disent ça change tout. On ne,
on ne peut plus, les Italiens étaient d'accord, donc ce n'était pas un travail sérieux, et aujourd'hui, on est en danger de mort, comment on va faire? Et ils me disent, il y a encore un chemin à la frontière que nous n'avons dit à personne, où on peut partir d'en masse pour pénétrer en Suisse, on va voir si on peut passer par là. Alors, j'ai dû accepter, j'ai payé, des passeurs payés. Alors, ma femme et ce garçon et moi, nous sommes allés vers cet endroit, soi-disant, cette sécurité pour passer en Suisse, et ce n'était pas vrai. Les Allemands, une patrouille allemande a passé par là et a voulu m'arrêter. Cet Allemand à la frontière qui m'arrête me pose en allemand la question « Wer sind Sie ?»« Qui êtes-vous ?» J'étais là avec le sac au dos, portais un bébé et ce garçon qui me donnait la main. Et il me dit « Wer sind Sie ?»« Qui êtes-vous ?» Il était étonné de par quelque chose. Je ne saurais jamais pourquoi. Alors, je lui dis, je suis un officier français, je suis là, voyez ma famille, je vais les passer en Suisse. Et lui était là pour interdire ça. Alors, il avait à côté de lui un chien, un grand chien, un magnifique chien. Il l'appelle et il vient à côté de moi et il renifle les enfants. Et lui, il part. L'officier allemand, il part. Je suis là avec le chien qui me surveille. Alors, je pensais, ça y est, t'es fichu, t'es mort, ta famille est morte, c'est fini. Et puis, tout d'un coup, et j'ose vous dire ça, j'entends un coup de sifflet. C'est un sifflet puissant. Et je vois que le chien dresse les oreilles. Ce coup de sifflet était pour le chien. Le chien, en entendant ça, tombe et part comme un chien. Le chien part. Et je suis seul avec ma femme et les enfants. Alors, moi j'étais un homme d'action. J'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Je profite et je dis à ma femme, etc., on part. Et je cours vers la frontière. Et j'arrive à passer ma femme et les enfants aux frontières et ils sont restés pendant 7 mois en Suisse parce que moi, je ne voulais pas y aller. J'avais un travail à la frontière, je voulais le continuer. Donc, ma femme était en sécurité et j'étais à la frontière. Mais à la frontière, c'est quelque chose d'étonnant. C'était comme ça que ça s'est passé. Alors, je suis donc à la frontière pour passer, pour car pas seulement l'armée italienne est partie, elle a retourné en Italie. Ils m'ont même proposé, ils m'avaient proposé de retourner avec eux en Italie. Et l'officier qui m'a parlé m'a dit, je connais, j'ai une amie, une famille juive, elle se débrouillera pour vous cacher, etc. Mais ça s'est passé comme ça. Moi, j'étais à la frontière et c'était en 47, chose-là, c'est passé en 40, c'est-à-dire proche de la fin de la guerre. Alors, je suis retourné vers mes amis de la résistance. J'ai fait de la résistance en France et la guerre était finie et je suis devenu le président de la résistance juive qui a organisé une forte résistance et je suis jusqu'à aujourd'hui le président de la résistance juive mais aussi un des présidents de la résistance française nationale et c'est le général de Gaulle qui, ayant appris tout ce que j'ai fait, m'a décoré un jour de cette décoration qui s'appelle commandeur de la Légion d'honneur pour fait militaire.
On m'a bien précisé dans le papier que j'ai reçu, vous êtes décoré par la, comme commandeur à, de la Légion d'honneur à titre militaire. Voilà ce que je vous dis. Aujourd'hui, je vous demande, cher ami, de parler de l'Exodus. La guerre était finie. La guerre était finie. Mais pour les Juifs de guerre de France, il y avait un grand problème. Les Juifs de France, il y avait en France, avant la guerre, 300 000 Juifs. Sur les 300 000 Juifs, mais il y avait combien de Juifs en Europe ? Il y avait des millions de Juifs en Europe. Eh bien, des survivants, de nombreux survivants de ces 300, de ces Juifs de France et des Juifs d'Europe n'avaient plus confiance à vivre en Europe. Ils voulaient vivre en Israël. Et ils ont décidé, le président de l'État d'Israël, d'organiser, c'était Netanyahou, de tétaniser l'accueil des Juifs. Seulement, il y avait les Anglais, et les Anglais étaient intéressés par le pétrole du Proche-Orient. Ils ne voulaient pas ces visiteurs. Il était impossible de pénétrer en Israël, en Palestine. Et alors, ces Juifs n'avaient confiance en rien d'autre. Ils se sont dit, nous restons en Allemagne, payés par les Juifs américains, nous restons ici jusqu'à ce qu'on peut nous amener en Israël. Et ils sont donc restés, et l'État d'Israël a commencé à se créer, et un des... Le président s'appelait Netanyahou. Ben Gurion m'a envoyé à moi des résistants de l'armée d'Israël qui m'ont dit « Nous venons de la part de Ben Gurion. Nous avons besoin de toi parce que Ben Gurion a inventé une histoire. Il a inventé un bateau qu'il appellera Exodus. Et ce bateau doit partir de France, d'un port français qui s'appelle Sète, un petit port. Il va être préparé en Angleterre, mais il va venir prêt pour embarquer 4500 Juifs survivants de la Shoah. Hommes, femmes, enfants, ils vont venir, nous les allons les amener avec le train de Hambourg où ils vivent jusqu'à Sète. Tu vas les faire embarquer dans ce bateau avec tes amis israéliens. Et nous allons aller vers la Palestine. Il y a les Anglais qui ne sont pas d'accord. Bien voilà, c'est le risque que nous prenons. Et l'affaire a eu lieu exactement comme ça. Les trains, j'ai vu arriver des 4550 personnes par train, sont arrivées à la gare de la petite ville de Sète. J'avais organisé des camions, des cars. J'avais fait la collecte de tous les quarts du département pour embarquer 4500 personnes qu'on a amenées au port où était l'Exodus. On les a embarquées et on a préparé ce bateau. C'est les Juifs d'Israël et de Palestine à ce moment-là qui avait préparé un bateau pour 4500 personnes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Tout le monde était là, tout le monde est monté, tout le monde était heureux, ils étaient heureux de partir en Palestine.
Donc ils ont embarqué, l'Exodus est parti, et moi, on me dit, mes amis israéliens, me disent, voilà, nous ne partons pas avec le bateau, nous allons prendre un avion, parce que bientôt il y aura une ligne israélienne qui s'appellera El Al, qui va aller en Israël. Et moi, entre-temps, j'étais devenu le directeur de la compagnie israélienne de navigation. Et j'avais un bureau à Paris, avenue de l'Opéra, et j'avais des bateaux qui faisaient la navette. Il fallait 5 jours en bateau pour aller par la mer en Israël. Et ça marchait, j'avais des bateaux qui étaient pleins tout le temps, mais tout le monde voulait l'avion. Alors, l'avion El Al a été créé. L'avion est une compagnie d'aviation israélienne est née, et je suis parti en Israël pour voir mes passagers de l'Exodus avoir des problèmes. Le bateau est bel et bien arrivé en Israël, mais il y avait des Anglais qui voulaient leur interdire. Il y avait beaucoup de problèmes. Alors moi j'étais en Israël et on m'a incorporé dans l'armée israélienne. On m'a dit, toi, mes copains qui m'ont aidé pour tout ça, on me dit, on monte à Jérusalem pour conquérir Jérusalem. Tu veux venir avec nous? J'ai dit, vous y allez, j'y vais. Alors, on est monté en voiture à Jérusalem. Il y avait la guerre à Jérusalem. Il y avait la guerre, parce qu'il y avait une révolte. Ces gens qui sont révoltés ont été battus par l'armée israélienne, et Israël est né. Et moi, j'ai un endroit à Jérusalem, il y a un mur qui est le reste du temple, du grand temple, du temps du roi Salomon, du roi David, des milliers d'années. Eh bien, il y a juste un mur qui reste. Alors mes copains me disent, toujours les mêmes, me disent, puisque tu es là, on va te montrer ce mur. Alors j'étais un des premiers Français à aller vers le mur du temple, du temps du roi Salomon et du roi David. Je l'ai embrassé le mur et j'étais heureux. Un piccolo particolare che penso sia sconosciuto ai più è che gli ebrei avevano modificato questa nave che era nata per navigare sui fiumi in modo da poter andare per mare e per poter accogliere, come ha detto Giorgio, 4.500 passeggeri al posto dei 500 inizialmente previsti. Questo è tutto noto. Quello che non è noto è che avevano aggiunto un motore supplementare che permetteva a questa Exodus di andare molto più veloce delle navi da guerra inglesi. In tutta la navigazione fino vicino alle coste palestinesi, la Exodus ha navigato alla velocità normale e quindi gli inglesi la seguivano per tenerla d'occhio perché non volevano che arrivasse sulle coste. Ma in prossimità delle coste hanno acceso un secondo motore e la Exodus è arrivata fin sulle coste, lasciando indietro le navi da guerra inglesi.